Je m'appelle Hassani Habib. Je suis le chef de département écotourisme du parc national de Zakouma. Zakouma est un parc situé au sud-est du Tchad, à 815 km environ de la capitale N'Djamena. C'est le dernier écosystème soudano-sahélien encore intact en Afrique. L'État tchadien avait décidé en 1963 de classer cette réserve en parc. Et ce n'était pas seulement la girafe qui était chassée. Beaucoup d'autres antilopes et aussi le rhinocéros noir qui existait, qui était en grand nombre dans le parc, étaient beaucoup menacés pour sa faune. Et aujourd'hui, les rhinocéros noirs n'existent plus à Zakouma, suite du braconnage. Le dernier rhinocéros noir vu en Djamène à Zakouma date de 1975. Et aujourd'hui, c'est les éléphants qui sont menacés. Et vous avez vu comment nous sommes en train de nous battre pour essayer de sauvegarder quand même cette espèce qui est très menacée aujourd'hui, l'éléphant. Pour que cela ne se passe pas, n'arrive pas comme cela s'est passé avec le rhinocéros noir. Les éléphants étaient en nombre important en 2002-2004. C'était la pointe. C'était le moment où on pouvait trouver plus de 4 500 individus dans le parc environ. Aujourd'hui, on ne tombe qu'à 500. En saison de pluie, là où nous sommes est plein d'eau. Le parc d'abord, il est inondé aux trois quarts. Le parc est comme un bas-fond où tous les eaux qui découlent des collines du centre du pays, c'est-à-dire du Guéra, converge vers ici pour se jeter vers le lac Iro, plus au sud. Alors, en saison sèche, lors du moment où l'eau se retire, il reste ces points d'eau-là, ces chapelets d'eau-là, tout le long de ces cours d'eau, de ces rivières-là. Et là, c'est un de ces points d'eau que nous voyons juste derrière nous. Vous avez vu l'animation qu'il y a autour de ce point d'eau-là, des pieds écarlates, des travailleurs à bec rouge, des bambouins qui viennent se désaltérer. Et les buffles, les éléphants, ils viennent également se baigner, s'abreuver. Et aussi un bon nombre de reptiles, comme les crocodiles du Nil qui existent, les varans, les serpents. L'Union européenne aide à la sauvegarde de ce patrimoine, de ce joyau naturel, depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Que l'Union européenne injecte de l'argent pour pouvoir sauvegarder Zakouma. Et aujourd'hui, grâce à ces fonds-là, que nous voyons une augmentation réelle de la faune dans ce parc. Même l'espèce chassée comme l'éléphant est aujourd'hui stabilisée. Rien que ça, parce que ces fonds nous ont permis de pouvoir renforcer la lutte anti-braconnage, de déployer, d'entretenir les dispositifs, d'engager des personnes, des rangers qui veillent à la protection de ces animaux-là. Donc, ces fonds nous aide vraiment dans le domaine de la gestion du parc et dans le domaine de l'écotourisme. Et les touristes eux-mêmes, quand ils sillonnent la République centrafricaine, le Cameroun et d'autres pays d'Afrique centrale, quand ils arrivent au Tchad, ils classent Zakouma toujours en tête des parcs nationaux aujourd'hui en Afrique centrale.